Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de South Park, l'anal du destin. Nous allons donc continuer notre petite recherche du professeur K.O. Oh là, on a trouvé toutes ces boîtes d'alu en tout cas, c'est déjà pas mal. Merci, crac. Je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus de ce que c'est ça, le personnage. Enfin, je sais que je l'ai déjà vu, mais je me rappelle plus le nom. Voyons voir. Ouais, c'est ce que nous pouvons. Triptyque de la réflexion, ouais, pourquoi pas. Apparemment, il n'y a rien d'autre à faire dans le coin. Donc, on est bon. Hop là. Hop. Ok. Col d'Edgar. D'accord. Voilà, j'ai pu faire que ça là, malheureusement. Peut-être que je peux les tous les frapper en arrêtant le temps, je ne sais pas. Ah, excellente question. Oh, compte sur moi, je vais le faire. Je vais même le faire deux fois. Aucune limite à mon pouvoir. Alors, on va le faire qu'une seule fois, ça. Comme ça, ils ont tous, voilà, l'état de choc. Et la deuxième fois, on frappe. Comme ça, quand ils vont bouger, qu'on fait, on fait une action, ils vont se prendre masse dégâts déjà. Non, je te laisse faire. Ils font mal. Ils font très très mal. Oh, je suis mauvais. Je suis tellement mauvais. Bon, allez, disons que c'était mérité. Il a pris cher lui par contre. À ton tour. J'espère qu'on soit sûr que quand tu vas te prendre un état de choc, tu prennes cher. Non? Ah bah voilà. Ah 69. Il leur reste 3 PV quoi. Hop. Oh, vous savez quoi? Je peux en achever plusieurs avec le coup de poing, je vais donc le faire. Ok, et de 1. Ah. Ah, je peux pas? Ok. Je pouvais pas. Ok. Why not? Ici. Hop. Toolshed standing by to deliver a second lasering if needed. Ça va. Ha! J'adore que tu dis ça. Hop. Lui, on l'achève. Hop là. Il est puissant, hein, Toolshed. Boîte à outils. Mon petit brûle. Pour le coup, j'avais pas pensé à ça. Et allez, on finit en beauté. Une petite animation sympathique, ça qui ne va pas le tuer d'ailleurs apparemment. Je viens de voir ça. Je pensais que ça allait le finir, mais non. Immunisé contre la brûlure en plus. Oui, ça doit être l'aluminium, j'imagine. Fâche. C'est ma faute. Du coup, ouais, on va dire à Cartman d'en finir. Hop là. Excellent. Ok, cool. Dévélé d'orientation pour employé de KO. Kit de roquette de KO, d'accord, cool. Pourquoi pas après tout. Niveau 7. Emplacement mineur. Oh, je suis déçu. Je suis complètement déçu.
Bah écoute, ouais. Je les ai ceux-là, non? Je peux les mettre? Ah non, ils sont déjà placés. Pas celui-là. ...391 de puissance, je commence à être pété, moi. On va vérifier quand même au niveau de l'ADN. Hop. Est-ce que t'as quelque chose qui augmente un peu plus le... Là, j'ai 30% de cervelle. Est-ce que t'as plus que ça? 40% de cervelle. Par contre, je perds 30% de santé. Oh, j'ai vu un truc qui était... Non, pour moi. Prenons le risque. Prenons le risque. Prenons le risque. Pourquoi pas. Si on fait plus de dégâts, techniquement, ça devrait être pas mal non plus. Au niveau du reste des artefacts, par contre. 80, 80, 80. Voilà, 72 ici. Parce que j'ai pas mieux. J'ai pas mieux. 69 ici, je n'ai pas mieux non plus. Si. Si, j'ai mieux. En fait, si, j'ai mieux. J'ai 72 ici. De critique. Par contre, j'ai plus santé sur un allié. Vendu. Là-dessus, j'ai rien d'autre. Et là-dessus, je viens de le faire, donc c'est pas un problème. Ok. Why not? Au niveau de ça. J'en ai pas, donc autant le faire. J'en ai pas, on le fait aussi. Parce que j'imagine qu'après il y aura le 5, vous voyez ce que je veux dire? Crâne du déchirement, why not? Ça j'en ai pas, donc je le fais. Scarabée de Rillet, j'en ai pas. Idole de vitalité, j'en ai pas. Donc je le prends. Et le tome de la ruse, j'en ai pas. Je le prends donc. Ok, cool. Bandeau, enfant des étoiles et... D'accord, tenue enfant des étoiles. On va les faire aussi. Comment ça tombe en rade de tissu, par contre. Ce qui est un peu plus casse-couille. Ok, on est bon. Donc j'ai visité ce truc-là. Non, je l'ai vidé. Je l'ai pas vidé. Parfait. Recette de glyphes inferno. Merde, machin. J'étais en train de résoudre ce problème de... Non. Glyphes inferno plus 1. Et niveau 65 de base déjà, c'est pas mal. J'ai le niveau 2 aussi si je veux. Et je ne peux pas aller plus haut. On est d'accord, je les ai tous. Ok, parfait. Important. On y va. Ça doit être un truc qu'on puisse... Non, c'est une boîte d'alu, tout simplement, Marcus. Calme-toi. Ok, tu peux entendre des chats. Why not? Keep out, ok. C'est plutôt bon signe. Hey, what the fuck? Who is that? Oh my god, that's the vigilante. That's right, the king. And some little fat kid. Il récupère le pizza? This cat, where is it? That's some real high grade shit there. Cat like that would go to the boss man himself. You idiot! You don't talk about him. Now we gotta kill these shits. Ah bon, carrément, vous me butiez. Pourquoi pas? Let's fix these idiots. Je vois explosif marqué partout. C'est une bonne chose. C'est une très 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 bonne chose. Cependant, avec ce personnage-là, je ne peux pas attaquer à distance. Mais je peux peut-être arranger ça. C'est parti. Une petite invocation. Justement, de Pissa. Je pense que ça va avoir fait le boulot. Ok. Why not? Trop léger en dégâts par contre. Wouah, on est en train de mettre le feu à la zone. Why not? Sniper accro? What the heck?
I'm on the job. On est trop juste. On s'arrête là. It's go time, butt lord. Voyons ce qu'on peut faire si on peut faire deux tours en un seul. On peut faire ça, est-ce que ça va vraiment être pratique? Oui. Commençons par ça. Ensuite. Ceci, on ne voit pas, mais je suis en train de faire des choses. Voilà. Ils ont pris cher. Ok, ça devrait être efficace. Vous allez comprendre. Hop, le premier explose le deuxième, qui explose le mec à droite. Enfin, en haut. Voilà, pouf. Ah, cool, ça continue. Encore et encore, ce n'est que le début. D'accord, d'accord. Voilà, il a pris cher. Alors, j'imagine qu'il se passe quelque chose. Si je l'ai pété... Eh ben la vache. Ami de combat débloqué, la rabatteuse. Cool. Quoi ça? Blesse destructeur de mobile, blesse et inflige sans défense. Je vais me faire des dégâts si je fais ça. Je vais faire ça. Est-ce que le baril avait un téléphone portable? Oui, il en avait un. Hop les. Suspendons le combat. Soyons un petit peu fous. Soyons un petit peu fous. Ça nous fera pas de mal. Allez, frappe. Ah, il m'en reste un. C'est pour la blague. Par contre, moi j'ai plus autant de PV que ça avant. Mais voilà, j'en ai récupéré, c'est bon, c'est pas grave. Tout va bien. Et le dernier, c'est pour le plaisir. Ah, je peux pas le faire, mince, dommage. Allez, soyons stupides, Eric. Oh, je le fais en parfait sur un... sur un baril, je fais l'attaque parfaite. Cool. J'ai oublié de faire le truc, dommage. Bon, j'ai tout pété par contre. Il se passe rien? Pas toujours avoir affaire à des gens intelligents, hein, n'est-ce pas? Hop les, bouf. Oh, t'inquiète pas. T'inquiète pas, si je mets le feu à tout un... Oh là là, masque filtrant, pourquoi pas, ah oui, ça peut être stylé. Flacon de pizza, forcément, ça c'était pas... négociable que je sorte dans un flacon. Utilise 15 pets temporels, cool, on l'a fait. On va voir si on a plus à faire. It ain't us, okay? The big man has all the crime families working together. The Italians, the Russians, the sixth graders, they all work for him. We just put the cat urine in the drugs and alcohol. Who is the big man? He don't even do it for the money, man. It's like he wants more crime in the streets. Wow, that sounds spooky. Oh, spooky, man. We got to do this if they tell us. Don't you get it? We're already dead for telling you. Et voilà. Mort par pizza. Si c'est pas triste. Comme d'hab, c'est toujours notre faute. Oh man, kick ass. Come on, this way. Raining chaos. Je te suis, rabatteuse, pas de soucis. You've come far, coon friend, but now you're trapped in my inner sanctum. Allez. Ready when you are, new kid. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah d'accord. Elle a hacké la porte. J'y crois pas. Oi! We have to find a way through to that ladder, butthole. This is the end of the world as you know it. Vous allez prendre cher. Oh, c'était pas ça. B
Ah, c'est ça que je peux faire, envoyer du gaz. Oh, oh oui. Est-ce que ça va la déplacer? Ou est-ce que ça va juste la gazéifier, si je puis dire? Ça va la pousser, voilà, cool. Voilà, hop là. Ah, je me suis pris un coup, j'ai pas tapé dans le bon sens. Quel dommage. Hop, c'est bon, c'est pas grave, on y va. Ouais, ils en ont encore. Wow. Il a dit un truc à propos de Stick of Truth, j'ai pas su c'était quoi. Merde. Donc comment dire, il vaudrait peut-être mieux qu'on se bouge le cul et qu'on ne reste pas là. Allons-y. Ils font mal en plus. Hein. Et on est derrière, regardez. C'est un piège. Ouais, t'as raison. Hop là. Bouf. C'est stylé ça. Crac. Ça c'est fait. Est-ce qu'on peut pas soigner quelqu'un? Il y en avait un qui était dans le... qui avait été touché, c'était Cartman. Hop. Un petit coup de soin. C'est pas par plaisir à mon avis. Oh, ils sont pas trop cons. Hop les ratés. C'est long. Raté. C'est long. Ah, je peux pas, y'a personne devant moi. Ah, je croyais. Merde, Cody. Bon, je peux pas lui tomber dessus. Bon, bah, restons là. Ça fait mal. Hop là. Oh, merde, j'ai loupé. Hop là. Et bouf. Trop de style dans ce combat. Mais oui. Oula. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je veux pas taper des chiens. Ça me plaît pas de taper des chiens, moi. Enfin, d'envoyer des rayons laser, les chiens. The Coon. Et boum. Toi, je t'ai eu. Je suis désolé. M'en veux pas. Je suis sincère. Serment, désolé. Hop, bouf. Petit fact en plus. Hop et... Allez, bouf. Ok, l'ultime est prêt et lui est arrivé. Essayons ça plutôt. Hop. Je peux pas parce que j'ai un ami sur la case. À chaque fois, j'y pense pas. Allez. Ah, c'est pas trop mal. Aïe. J'ai pas vu où est-ce qu'il fallait que j'aille. Alors, je sais que ça sert à rien qu'il faut que je fasse ça puisque il ne prendra pas feu. Et le Coon serait peut-être pas une si mauvaise idée, mais je doute du saignement. Si, allez, on tente. Ouais, ça c'est plus stylé. Hop là, un petit coup de spray. Oh oui, t'inquiète pas, je m'en occupe. Un petit coup de choc en plus, ça t'intéresse?
Ah ! Aïe, caramba ! Donc choc plus saignement, là on est hein, quand même. Hein. Donc de quoi prendre cher. Hop, saignement. Et choc. Ça a dû faire mal. Et on peut le finir. Hop là ! Tu es bon ! Ok, cool, on a gagné. On est trop fort. On est beaucoup trop fort. Agonisant de Gaïa. Why not? Et de la monnaie, 1,60$. Why not? Et donc, il n'y a pas d'autre niveau de maître d'épée temporelle. Dit comme ça. Le trône du professeur K.O., pourquoi pas. Schéma pour faire du ketchup. Pour foire au ketchup, les beignets à la confiture. Ah, merde. Quel con. Je pensais qu'il fallait que j'appuie sur A connement, mais en fait non, depuis le début c'est pas comme ça. Hop là, on y va. Tu peux... Voilà, merci, s'il te plaît, merci, voilà, doucement. Aïe. C'est parti. Voilà. Oui, je sais, mon cul est génial, mais par contre, si tu pouvais éviter d'y mettre autre chose, ce serait sympa, merci. La lave. Des camions de lave, des pick-up de live, de lave. Une note. Qu'est-ce que... Fallait que je te parle? C'est ça, fallait que je te parle. Appelé. Ok. Là, il fait les choses en grand, hein. What? Le méca du professeur K.O. Oh mon dieu. Je l'ai pas vu comme ça, je l'ai pas imaginé comme ça. Why not? Why not? La rage d'un Eric Cartman. Boss surdimensionné, 600. Ok. Non. Ah, je me suis planté de pouvoir, génial. Hop là. Bon, au moins j'ai réussi à parer le truc. Maintenant. Faisons appel au flacon de Pissa. La vengeance viendra par le Pissa. Je suis désolé, j'ai à moitié faim. Il doit être 13h et quelques là. 13h10. Ah, je l'avais pas vu, vous avez vu sur quoi il est? Il est sur Dempster, il se déplace sur Dempster. Génial. What? Ah, d'accord. T'as pris cher. What? Il a repris 600 PV? Ils vont le soigner? Non! Ah, puis ils le soignent de plus que ce que je leur fais. Ok. Allons-y. Il est temps de déployer toute la violence du Marcus. Ou pas? Et de 1.
Si, attendez, je dois pouvoir... Ah non, je suis pas sur la bonne case. Faisons ça comme ça. Hop là. Ça en fait toujours deux de fait. Ok. Fais mal. Mais moi aussi. Continue à le soigner même s'il était full life, c'est pas un problème. Ouais, le combo. Je touche, génial. Hop là. Par contre, ouais, je vais me bouffer un... Moi, c'est moi qui vais me bouffer le coup de... Ici. Et il continue. Aïe. Je peux pas? Pourquoi je peux pas? Parce que je suis pas à la distance requise. Oh. Bouf. Et il le soigne. De combien? 190. On va te laisser là, Cartman, ça te dérange pas. Je vais encore me bouffer les lasers. J'espère que ça pour l'instant. Je me bouffe encore les missiles. Je peux rien faire au niveau du truc. Il recommence. Aïe. Ok. Là, je peux péter lui. En espérant que ça n'en fasse pas spawn d'autres. Hop les bouffe. Bah alors, si c'est bon, je pourrais créer la vengeance ultime. Hop, mais à la place, voilà. Ne me dis pas que tu reviens dans la... Non, c'est bon. Ok, pouf. Voilà, on l'a encore eu. Des fois qu'il y a une phase 3. Et il y a une phase 3. J'ai bien fait. Hein? Non, pas le dégoût. Ah. C'est dégueulasse. Why not? Ça encore, je veux bien, mais c'est vraiment dégueulasse le reste. Ah, caca. Oh, t'inquiète pas, je vais le faire. Hop les bouffe. Mon drone, il n'est pas en alu. Tellement stylé ce drone d'ailleurs. Ça fait mal. Hein. Ah là, tu douilles là. Ah, je croyais que les chiens s'étaient barrés. Nul. Oh bah merde, j'y ai cru moi. Tout bêtement. Aucune limite à mon pouvoir. Ah ouais, mais c'est pas une machine électrique, donc ça marchera pas si bien. Hop là, boum. Ah, je les ai eus. Non, il lui reste un PV, fous de moi. Et savez quoi, on va le laisser se faire du mal tout seul comme un grand. Allez, vas-y, finissons-en. Sauf que tu es choqué, mon ami. Eh oui, tu es choqué. Tu vas donc prendre excessivement cher à la fin de ton tour. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière phase? Ah non, on a gagné, c'est bon. Clé du garage de Butters, point suprême de chaos sans impuissance. Costume de chaos, forcément. Même si on dirait plus un costume de prisonnier, pour le coup. Et la suite. Butters, wake up. I think he's dead, dude. He's not dead.
Fellas, I think we better get him back to base. All right, come on. Let's take him to the holding cell. The holding cell? Oh, jeez, it's kind of late, fellas. I should get home or I'm going to be grounded. You should have thought of that before you tried to lava the town, Chaos. Qu'est-ce que tu vas me dire? Hey, dude. It was great working with you again, man. It was like old times. Yeah, well, I told you. This was a one-shot deal. I only helped out because I owed the new kid a favor. Come on, Shed. Come back to the team. Can't do that, Kite. Freedom Pals is gonna make way more money with their franchise. You're wrong. We're gonna make like $1 billion. We're gonna make like $1 zillion. Tellement de style. Tellement de style. On est sur un toit, je rappelle. Hein. Ok, donc avant d'aller plus loin, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Je peux pas le faire regarder la caméra. Dommage. Salut les gens, et abonnez-vous, likez, partagez comme d'habitude. Salut.